Nous allons lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la sagesse et l'oreille des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Spreuken 18, vers 9. Ja, wie zich slap opstelt in zijn werk, die is een broeder van een aartsvernieler. De naam van de Heere is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad. Als een hoge muur in zijn verbeelding. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat voor de eer. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? Het hart van verstandigen verwerft kennis en het oor van wijzen zoekt kennis. De gift van een mens maakt de ruimte voor hem. En leidt hem in de tegenwoordigheid van grootte. Wie de eerste in zijn rechtszaak lijkt rechtvaardig, wie de eerste is in zijn rechtszaak, lijkt rechtvaardig te zijn. Maar dan komt zijn naaste en doorgrond hem. Het lot doet geschillen ophouden en maakt scheiding tussen de machtigen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mag de Heer de lezing van zijn woord zegenen. Et que le Seigneur nous aide à pouvoir recevoir réellement la lumière. Pour que nous puissions manifester la nature de Dieu. En dat de Heer ons verlicht, zodat wij zijn aard, zijn natuur kunnen weerbeelden. Voilà pourquoi la Bible dit, daarom zegt de Bijbel. Au commencement était la parole. In het begin was er het woord. La parole était avec Dieu. Het woord was met God. La parole était Dieu. Het woord was God. En elle daarin était la vie. Het leven. Et cette vie, dat leven, est réellement la lumière. Is het licht. Et nous voyons que dans la parole, wij zien dat in het woord, il y a la lumière. Heb je het licht. La Bible dit, de Bijbel zegt, la lumière brille dans les ténèbres. Het licht schittert in de duisternis. Elle est venue chez les siens. Ze is gekomen bij de zijnen. Les siens ne l'ont point reçu. En die hebben haar niet ontvangen. Il faut se poser la question. Je moet je de vraag stellen. Comment hoe? Ils n'ont pas pu recevoir la lumière. Hebben zij het licht niet kunnen ontvangen? Vous savez que jullie weten dat. Les ténèbres, de duisternis, n'ont pas de force devant la lumière. Heeft geen kracht voor het licht. Quand vous entrez wanneer dans une chambre, in een kamer komt, qui est réellement sombre, en die is donker, quand vous allumez, wanneer je het licht aandoet, les ténèbres, de duisternis, disparaissent,
The darkness verdwijnt. Comment maintenant? Maar hoe? La Bible dit. Want de Bijbel zegt. La lumière est venue chez les siens. Het licht is bij de zijnen gekomen. Et les siens ne l'ont point reçu. De zijnen hebben haar niet ontvangen. C'est comme si on a allumé. Het is alsof we hebben aangezien. Mais ça n'a pas éclairé. Maar het heeft niet verlicht. Parce que vous allez comprendre que jullie zullen zien dat quand la lumière est venue, wanneer het licht gekomen, la lumière était cachée. Het licht was verborgen. Dans un corps. In een lichaam. Est-ce que vous voyez? Zien we. Ce qui fait que, en dat zorgt ervoor, pour être éclairé, dat om verlicht te zijn, il faut découvrir la lumière qui est dans le corps. Moet je het licht ontdekken dat in het lichaam zit. Voilà pourquoi, vandaar, cette lumière qui était, dat licht dat dans le corps, in het lichaam, est venu chez les siens, is gekomen bij de zijnen. Les siens sont restés dans les ténèbres. De zijnen zijn in de duisternis gebleven. Est-ce que vous voyez? Zien. Donc ils voyaient la lumière, ze zagen het licht, comme les ténèbres, als duisternis. C'est pourquoi, het is daar, malgré la présence de la lumière, ondanks de aanwezigheid, ils sont restés dans les ténèbres. Zijn ze in de duisternis gebleven. Est-ce que vous voyez? Zien. Pourquoi? Waarom? Parce que la lumière, want het licht, était caché. Was verborgen. Mais ceux qui ont pu, maar zij, découvrir die, cette lumière-là, die dat licht hebben kunnen ontdekken, ce sont ceux qui ont été éclairés. Het zijn zij die verlicht zijn. Dieu est le même. God is dezelfde. Hier. Gisteren. Aujourd'hui. Vandaag. Et éternellement. En in de eeuwigheid. Donc vous allez comprendre. Je gaat begrijpen dat. Quand tu as la parole. Wanneer je het woord hebt. Cette parole. Dat woord. Elle est ténébreuse. Is duister eigenlijk. C'est pas la première fois que le Seigneur l'a fait. En het is niet de eerste au keer dat je op de berg Sinaï. La Bible dit. De Bijbel zegt. Qui avait le feu. Dat er vuur was. Le feu c'est la lumière. Het vuur is toch licht. Mais il y avait la nuée. Maar er was een wolk. Est-ce que vous voyez? Donc, dus, vous allez voir que jullie gaan zien la montagne dat die berg, qui était enflammée, qui était de lumière, dat was licht, était couverte par une nuée ténébreuse. Door een duistere wolk eigenlijk. Maintenant le peuple a vu quoi? Maar wat heeft het volk gezien? Rien du tout. Ze hebben niks gezien. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we. Donc, quand tu as la loi, wanneer jij de wet hebt, tu vas croire, je gaat geloven que tu as la lumière, dat je het licht hebt. Waarom zal de Seigneur dit? Daarom zegt de Bijbel. Si la lumière, als het licht, qui est en toi, dat in jou zit, est ténèbres, duisternis is. Donc vous allez comprendre que, dus je gaat begrijpen dat. C'est pire que quelqu'un qui est dans les ténèbres. Erger dan iemand die in de duisternis is. Parce que quelqu'un qui est dans les ténèbres, iemand die in de duisternis is, il désire la lumière. Hij verlangt naar. Quand il verra la lumière, wanneer hij het licht zal zien, il va embrasser la lumière. Ah, mais maintenant, toi qui es dans les ténèbres, tu crois être dans la lumière. Donc tu ne vas pas sortir. Ta situation est pire. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi. Vandaar, si tu veux apporter la lumière chez quelqu'un qui ne prie pas, iemand qui ne lit pas la Bible, the Bible leest of print, il va facilement comprendre, begrijpen. Et c'est la lumière. Dat het licht is. Est-ce que vous voyez? Zien. Mais maintenant, maar nu, si tu veux apporter la lumière chez quelqu'un qui prie, iemand die bidt, mais qui est dans les ténèbres, sur un point, op één punt, tu vas souffrir. Je zult lijden, hè? Il faut être ténace. Dan moet je doorzettend zijn. Pour et patience. En ook heel geduldig. Pour pouvoir amener cette personne, om dat die persoon te brengen tot het begrip eigenlijk. Ja. Er is. J'apprécie quand même cette l'abbé. Il y a un abbé là. C'est un abbé très courageux. Dus er is een bij. Of, il s'attaque à tous les pasteurs de réveil qui s'attaquent à l'église catholique. Alle pasteurs de katholieke kerk veroordelen voor wat hij aanvallen. Mais il est intelligent. Maar hij is slim, hè? Oui. Un tel homme. Maar zo'n man. Vous croyez que jullie denken dat si vous lui amenez la lumière, dat als jij hem het licht brengt, il va l'accepter. Hij zal accepteren. La Bible dit duidelijk, hein, que dat Marie, Maria, n'est-ce pas, avant qu'on ne puisse la toucher, voordat ze werd aangeraakt, est-ce que vous voyez, zien we, elle est tombée enceinte, ze is zwanger geworden, et
Hein? Le Seigneur dit de Heer zegt à Joseph de, Joseph de ne pas avoir peur niet bang de prendre Marie, Marie pour femme. Als vrouw. Maintenant lui, maar hij nu, quand il lit, wanneer hij leest, que Jésus avait les frères, dat Jezus broers had, il va aller chercher des versets, hij gaat versen zoeken, pour montrer que, om te laten zien, dans la Bible, in de Bijbel, n'est-ce pas, et chez les Africains, bij de Afrikaan, le cousin c'est le frère, dat de neef de broer is. Nous les Africains on n'a pas de cousin, ah, le cousin c'est notre frère. Onze neef zijn eigenlijk onze broers. Est-ce que vous voyez? Ja. Zien we. Il va pouvoir dire en dan gaat hij zeggen, que dat, parce que quelque part on appelle un cousin frère. Ergens een neef broeder werd broeder genoemd. Lot. Lot était considéré frère d'Abraham. Was, werd aanschouwd als de broer van Abraham. C'est là où il va dire. En voyez, dan, dus zien, c'était son cousin. Waren zijn neef. Il a trouvé des versets. Hij heeft versen gevonden. Donc lui, dus il croit que hij gelooft Joseph. Joseph. Regardez Marie comme ça. Kijk naar Maria zo. Hein? Mm. Sainte Marie. De heilige Marie. Mère de Dieu. Moeder van Jezus. Moeder van God. Oh, pour que. En zodat. Réellement Marie. Zodat Maria puisse accomplir qu'elle était la femme de Joseph. Qu'on laten uitvoeren dat ze de vrouw van Jezus. L'écriture dit. De verset. Les deux deviendront une seule chair. L'homme s'attachera. L'homme zal zich binden. L'homme s'attache. En de man bindt. Quand l'homme couche avec la femme. Wanneer hij een seksuele gemeenschap heeft met zijn vrouw. Donc Joseph comme ça. Dus Joseph. Avec une femme. Met een vrouw. Tu dors. Je slaapt. Tu te réveilles. Je wordt wakker. Hein? Jésus déjà est sorti. Jezus is al wakker. Hij zal naar buiten. Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez? Zien we. Un tel homme, zo'n man, si tu veux lui faire comprendre, als je God laat begrijpen, dat Marie, dat Maria, a eu des enfants, dat ze kinderen gehad heeft, elle était plus vierge, en ze was geen maagd meer, c'est difficile, dat parce qu'il moeilijk, doit être dans la lumière, want hij denkt in het licht te zijn. Est-ce que vous voyez? Zien we. Et toi tu lui diras, maar wanneer je hem zult zeggen, que Marie, dat Maria, c'est une femme comme toutes les autres femmes, dat is een vrouw zoals alle andere vrouwen. Mère de Dieu, moeder van God, bénie entre toutes les femmes, gezegend tussen alle vrouwen. Est-ce que vous voyez? Zien we. Mais le Seigneur lui-même, maar de Heer is al, quand Marie est venue, wanneer Maria gekomen was, hij dit qui est ma mère, zegt, wie is mijn moeder? Oui. Mm. Il réduit Marie, hij had Maria al à ses frères, oh, qui est ma mère, wie is mijn moeder, qui est mon frère, wie is mijn broeder, qui est ma soeur, wie is mijn zuster. C'est vous. Dat zijn jullie. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. De wil van God. C'est ma mère. Dat is mijn soeur. C'est ma soeur. Dat is mijn soeur. C'est mon frère. Dat is mijn broeder. Simple. Dat is het. Kom, bonjour. Simple. Papa. Dat is bonjour. Maar dat zijn de ouders. Est-ce que vous voyez? Zien we. Voilà pourquoi. Het is daar. Quand vous avez la bonne explication. Dat wanneer je een goede uitleg hebt. Vous avez la pensée de l'écriture. Je hebt de gedachte van de vers. Cette pensée vous éclaire. Die gedachte zal jou verlichten. Et vous donne une manière de penser. En het geeft je manier om te denken. Qui est conforme à Dieu. Die volgens de wil van God is. Une manière d'agir. Een manier van qui sera conforme à Dieu. Die volgens de wil van God. Voilà pourquoi la Bible dit. Daarom zegt de Bijbel. La lumière a donné le pouvoir. Licht heeft de kracht gegeven. De devenir. Om. Enfant de Dieu, kind van God te worden. On est enfant de Dieu. We zijn kind van God. Mais on devient aussi enfant de Dieu. Dus je kunt kind van God worden. Est-ce que vous voyez? Kind van God geboren zijn. Donc c'est-à-dire que. Dus dat wil zeggen. Nous avons la semence de Dieu. We hebben het zaad. Mais chaque fois qu'il y a la lumière qui vient. Elke keer wanneer het cette lumière commence à éclairer la nature de Dieu qui est en nous. Begint de natuur van God die in ons zit te verlichten eigenlijk. Est-ce que vous voyez? Zien we. Quand vous êtes wanneer jullie impudique, onoverspelig, infidèle, niet loyaal, niet trouw,
Vous allez comprendre que c'est une nature qui ne correspond pas à la nature à Dieu. Quand la parole vient, la parole enlève l'impudicité pour que la nature de Dieu se manifeste. Est-ce que vous voyez? Et ainsi, si tu étais infidèle, tu vas manifester la fidélité. Ça, on comprend maintenant que. Tu commences à manifester une nature de Dieu. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. C'est pourquoi, si on ne voit pas la nature de Dieu en toi, ouais, il faut être comme moi. Dan moet je net als mij zijn. Comme je sais que, omdat ik weet dat. Même si je t'appelle, ook al noem ik jou, enfant de Dieu, kind van God, ça ne change rien. Het zal niks veranderen. C'est que Dieu, dat God te considère. Want het zal niet veranderen. Jésus a dit, ja, le témoignage des hommes, de getuigenis van de mensen. N'est rien. Is niks. Est-ce que vous voyez? Comme mon témoignage. Wat mijn betuigenis. N'est rien. Niks is. C'est pourquoi. Daarom. Je peux dire, ik kan zeggen, tu es un enfant de Dieu, je bent een kind van God, tu es un frère, je bent een broeder, tu es une sœur, je bent een zuster. Mais je sais que, maar ik weet, le témoignage qui compte, c'est le de témoignage de Dieu. Quand Dieu te regarde, maintenant il y a d'autres frères qui n'ont pas ma nature. Mijn nature niet hebben. Eux, zij, sont les gardiens. Dat zijn de doctrine. Ils sont jaloux de la doctrine. Van de doctrine. Quand ils voient quelqu'un pécher, ça les énerve. C'est comme si c'était lui-même qui péchait. Mais quand même lui pêche, il oublie. Et quand les autres pêchent, ça les énerve. Est-ce que vous voyez? Il va commencer à te le dire comme ça. Tu es un païen. Est-ce que vous comprenez? Parce que la lumière ne parvient pas à faire voir la nature de Dieu en toi. C'est comme quand, si tu es dans l'ombre. Dans les ténèbres, on voit quand même quelqu'un. On peut dire, c'est qui? On ne saura pas parce que tu es dans les ténèbres. Quand tu vas t'approcher de la lumière, ah, c'était toi le pasteur. Est-ce que vous voyez? Donc, on voit le pasteur quand le pasteur est dans la lumière. Mais tu retrouves le pasteur. Et qui l'a fait la voix pasteur. Est-ce que vous voyez? Parce que dans les ténèbres, comme on ne voit pas, on peut pas voir. Est-ce que vous voyez? Non général. Pasteur, fidèle, frère, sœur, tout devient des païens. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Van een aardsfamilie, van iemand die vernietigt. Donc, dus, cela voudrait dire, dat wil zeggen, nous nous sommes entendus we zijn pour aller travailler. Om te gaan werken. On commence à travailler. We beginnen te werken. Directement. En direct. Toi, tu commences. Jij begint. Oh, j'ai faim. Oh, ik heb honger. J'ai envie de manger. Ik heb zin om te eten. Et l'autre se dit non. Continuons. Laten we verder gaan. Et là, tu donnes encore des arguments. En dan geef je nog argumenten. Mais si je n'ai pas mangé, comment je vais travailler? Ik heb eten, dan ga ik werken. Est-ce que vous voyez? Zien we. Mais si tu ne travailles pas, comment tu vas manger? Als je niet werkt, hoe ga je eten? Est-ce que vous begrijp me? Avant de manger, voordat je il faut travailler. Moet je werken. Vous allez comprendre que les gens qui détruisent, eux pensent d'abord à la nourriture. Au lieu de penser au travail, ils relâchent le travail pour la nourriture. Et ainsi, en zo, vous allez comprendre que jullie gaan begrijpen dat les gens, de mensen, n'avancent pas dans leur travail. Gaan niet vooruit in hun werk. Ils n'avancent pas
Parce que ils ne sont pas focus dans le travail. Un jour, Paulus, Barnabas et Marc, and Marcus, ils vont se dire, nous devons aller faire l'œuvre de Dieu. We moeten het werk van God uitvoeren. Ils sont allés. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ze hebben het werk van God gedaan. Arrivé, en aangekomen, là où ils étaient, waar ze waren. Marc a dit non. Marcus, hein, nee. Moi, ik, hein. En tout cas, je rentre. Est-ce que vous comprenez? Marc est rentré. Marcus is terug. Il avait cru que hij geloofde dat. Il n'a rien fait de mauvais. Il n'a niks slechts gedaan. Est-ce que vous voyez? Zien we. Et il s'est fait que quand Paul s'est retrouvé à Jérusalem, ils veulent encore aller. Là, Marc dit, je veux venir. Paul, il a compris. Celui qui se relâche dans le travail, c'est le frère de celui qui dit tout. Paul a dit, toi, tu ne vas pas venir avec nous. Barnabas dit, mais non, laisse-le. Paul dit non, Paulus, nee. Je ne peux pas. Et comme, est-ce que vous voyez? Zien. J'aime cette position. Et position. Paul a refusé. Paulus weigerde. Barnabas a agréé. En Barnabas heeft het toch geaccepteerd. Ja. Qui a péché? Wie heeft tussen de twee gezondigd? Vous voyez que dans la parole de Dieu, ziet in het woord van parfois, soms, deux positions, twee posities, contraires. Die tegenstrijdig zijn. Peut être réellement conforme à la volonté de Dieu. Volgens de wil van God zijn. Parce que Barnabas a dit, Barnabas, hein, on va avec lui. We gaan. Paul a dit non. Et c'était une discussion vive. En het was een hevige discussie. J'espère que vous ne imaginez pas la discussion. Quand nous lisons la Bible, nous sommes tous devenus des saints. C'est un mariage. Tu lis la Bible. Il lit la Bible. Paulus. Tu lis bien. Je lees goed, hein. Paul a eu une vive discussion. Hevige discussie. Dans ta tête, in jouw hoofd. Paul a eu une vive discussion. Vive discussie. Vive sa part. Il a prononcé. Dans ta tête. In jouw hoofd. Uitgesproken. Là, tu vois comme si. En dan zie je alsof het. On va l'amener. Als we hem brengen. Non. Moi, je ne veux pas. Ça va comme ça. Il va rester. Si il reste. Moi, je reste avec lui. Dan blijf ik met hem. La Bible dit c'était vif. De Bijbel zegt het was een hevige discussie. Ils se sont parlé. Dus ze hebben tegen elkaar gesproken. Et vous savez que la Bible avait dit. De Bijbel. Mettez-moi à part. Paul et Barnabas. Paulus en Barnabas. Partout ils allaient. And overall, c'est allaient. Paul qui prenait la parole. Dus Paulus dit voort. Barnabas était en recul. Hij was altijd teruggetrokken. Est-ce que vous voyez? Zien we. Et il ne se préoccupait pas de ça. En ze maakte zich daar geen zorgen. Je suis sûr. Ik ben er zeker. Que là il a dit. Dat hij daar is. Même si je te laisse parler. Ook al laat ik je praten. Il va aller avec. Hij zal met mij komen. Paulus zegt nee. De bon? Okay. Si c'est comme ça, als het zo is, on se sépare. Dan gaan we hier. Ils se sont séparés. Ze hebben zich hier afgescheiden. Est-ce que vous, il y a des séparations qui sont conformes à la parole? Dat is een scheiding die volgens de wil van God zijn. Vous êtes mariés? Jullie zijn getrouwd. Au début c'était chéri. Bisous. Après, ça ne va plus. Dan gaat het niet meer. Hein? Ça ne va plus. Het gaat niet meer. L'homme commence à t'énerver. En de man begint te bossen. Dès que tu le vois, pendant dat je hem ziet. Tu étais content. Je was blij, hein? Quand il n'était pas là. Wanneer dès qu'il a. Pendant dat hij binnenkomt. Tu t'énerves. Word je boos. Et ça ne va pas. En het gaat niet. Il devient violent. Hij wordt geweldig. De coups, tous les jours. Hij slaat je elke dag. Lui s'entraîne. En hij is gaan trainen. Comme Mike Tyson. Net als Mike Tyson. Hij récupéré 20 miljoen. 20 miljoen gekregen. En 58. Op 58 jaar. 20 miljoen man. 20 miljoen dollar. Ja, en tout cas, il y a des gens comme ça. Il savait. Hij wist, hè? Qu'il n'allait pas gagner. Dat hij niet ging winnen. Mais l'essentiel. Maar het nodig was. C'est de combattre. Dat hij ging vechten. Et d'avoir 20 000. Même s'il était KO. Ook al was hij tot daar. Hij ging 20 miljoen krijgen. Assuré. Het was verzekerd. Tout ce qu'il a voulu. Alles wat hij wilde. S'entraîner. Was trainen. De telle sorte que. Dat n'ait pas de crise cardiaque. Dat hij geen hartaanval zou krijgen. Il a assuré.
En hij verzekerde dus cela, cardio, cardio was. Hij die bouwde niet. Oké, we gaan. Qu'est-ce que vous voyez? Zien we. L'homme devient Mike. De bone man wordt Mike Tyson. Après. En dan? Toi devient. En dan kom je. Dieu haat. Haat. Divorce. De scheiding. Dieu ne veut pas. God. Quelle est la tristesse? Dat mensen zich scheiden. C'est bien. Het is goed, hè? Un jour. Op een dag. Vous arrivez. Ga je aankomen. Soit de l'homme. Of de man. Soit de la femme. Of de vrouw. Kadaf. Of zal een lijk zijn. Est-ce que vous trouvez que vinden jullie dat? Il n'aurait pas été mieux. Dat het niet beter was. Qu'ils se séparent. Dat ze zich hadden afgescheiden. Au lieu de se tuer. In plaats van elkaar te doden. Si tu vois. Als je ziet, hè, que dat l'esprit commence de dire les petits démons commencent à démons beginnen te komen. Que je vais te tuer. Exact. Vous savez que moi. Que, parce qu'il y a des pasteurs comme ça. C'est un pasteur, ça. Ils ont peur. Ils ont peur. Si tu dis ah, ça, la parole de Dieu n'a jamais. Vous allez tuer les gens comme ça. Ils ramènent ces autres. Mais si vous voyez que les démons entrent. Quand je dis que les démons entrent, ils quoi. Et que. And that, vous commencez à vous dire. Ils beginnent de ça. Je vais le tuer. Et grave d'autres. Vaut mieux. Vous séparer. Je vous scale. Est-ce que vous savez que. Jullie weten dat. Quand Rebecca. Wanneer Rebecca. A su. Hoorde. Que Esaü. Esaü. Le tuer son frère. Il a éloigné son frère. Il a plus weggehaald. Simplement. Simple. Après quelque temps. En na een tijd. Sont devenus des amis. Ze zijn vrienden geworden, toch? Vous savez, quand ils vont se séparer. Wanneer ze gaan scheiden. Bon, je parle d'abord des païens. Ik praat even over ketters. Si je parle des frères, ici, nous prenons un couple païen. We nemen een koppel dat ketters. Box, box, box. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ik ga ook dood. Parce que la femme peut te tuer plus facilement. Le frère peut makkelijker dood. Bon appétit. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. T'en vas. Je vais te tuer. Pas avec le cou. Niet met slaan. Elle ne sait pas avec le cou. Je vais niet met haar face. Et le jour, ça. En de dag. Tu vas même, je gaat zelfs lécher ta l'assiette, je gaat zelfs een bord likken pour avoir tout le poison. Mais l'homme, nous savons que maar wij weten, tu vas chercher le cou ou le couteau, ça sera compliqué. Het zal erg worden. À ce moment-là, en op dat moment, séparez-vous. Is het beter om te scheiden? Séparez-vous. Vous pouvez vous séparer. Je kunt scheiden. Tu vas de l'autre côté. Je gaat aan de andere kant. Tu te maries. Je trouwt. L'homme pire que celui que tu avais avant. Dan change la femme pire que celui que tu avais avant. De vrouw erger dan de vrouw die je had. Je verandert. Après, vous devenez des amis. En dan worden jullie vrienden. Parce que les enfants sont là. Want de kinderen zijn là. Tu vas aller voir les amis. Wanneer jullie les enfants. De kinderen gaan zien. Comment? Vous commencez à parler. Je begint te parler. Calmement. Op een calme manier. Comme si. Alsof. Vous n'étiez pas fâché à vous tuer. Alsof jullie niet boos waren op het punt om elkaar te doden. Voilà. Ça, ce sont les païens. Dat zijn de ketters. Vous savez que dans le mariage, dat is les païens ont l'avantage sur nous. Ketters hebben een voordeel over ons, dat weet jullie. Un païen, een ketter, se marier comme il veut. Hij kan trouwen zoals hij wil. Notre constitution, onze, c'est pour nous. Is voor ons eigenlijk. C'est pas pour eux. Het is niet voor hun, hè. Onze wetgeving is pas la constitution de Pays-Bas. Vous allez imposer aux Africains. Nous, nous sommes des Africains. Vous êtes des Hollandais. Les Hollandais obéissent à la constitution hollandaise. Naar de Nederlandse wetgeving luisteren. Voilà pourquoi les pasteurs. De pasteur. Tu vas imposer les païens qui ne pas divorcer. Zijn om niet te scheiden. Non, c'est pas le roi, c'est pas leur position. Est-ce que vous voyez? Ça c'était les. Bon, maintenant. Maar nu. Les frères. Soi-disant frères. Les zogezegde broeders. Parce que si. Want als. Vous êtes frères et sœurs. Als jullie broeders en zussen zijn. Vous ne pouvez pas. Vous chamailler. Geen ruzie kunnen maken. Vous ne pouvez pas. Jullie zouden niet in staat kunnen zijn. Vous séparer. Om te scheiden. Vous séparez pourquoi? Waarom zijn jullie scheiden? Je ne sais pas. Ik weet het niet, hè? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Ik weet niet wat er gebeurt in de hoofd van de mensen. Vous savez quand vous avez des vrais amis. Wanneer je echte vrienden hebt, hè?
Vous vous chamaillez, non? Avec les vrais amis. Mais après quelques temps. Maar na een tijd. Ça passe, non? Ça gaat voorbij, toch? N'est-ce pas? Niet waar. Bon. Ça, ce sont. C'est la parole. Het woord. Hein? La parole, hein? Het woord. Hein? Les frères. Les broeders. Ce sont les détails de crocodile. Dat zijn de schalen van de crocodile. Ils s'embrassent. Ils omhelzen elkaar. Et le vent ne passe pas. Le wind kan er niet voorbij komen. N'est-ce pas? Niet waar. Donc, dus, entre frères. Tussen broeders. Des zusters. We moeten van elkaar houden. N'est-ce pas? Niet waar. Ça, c'est l'idéal. Dat is het idéal. Nous, les pasteurs, nous souffrons. Wij pasteurs, we lijden. Parce que, want, il y a ce qui est idéal parfait. Er is iets wat ideaal perfect. Et ce que nous vivons. En wat wij meemaken. Ah, pourquoi on vit? Daarom leven wij. Des frères en train de se chamailler. En we maken mee dat broeders ruzie maken. Des sœurs en train de se chamailler. Zusters die ruzie maken. Les frères et les sœurs se chamaillent moins. En broeders en zusters maken minder ruzie. Pourquoi? Waarom? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Hebben jullie dat opgemerkt? Dans les églises, de kerken. C'est frère entre frères. Sœurs entre sœurs. Entre frères et sœurs, moins de chamaillerie. Il y a moins. Minder. S'il y a chamaillerie, als er ruzie is, c'est que, dat wil zeggen, ils étaient chéris. Ze waren seulement ça. C'est seulement ça. Dat is het. Seulement dans les églises. In de kerken. Les frères et les sœurs, broeders, s'entendent bien. Ze komen goed overeen. S'entendent bien. Ze komen goed overeen. Vous voyez que, dus jullie zien, si les frères et les sœurs s'entendent bien. Als de broeders en zussen. C'est que les sœurs entre sœurs peuvent s'entendre. We zeggen de zus, frères entre frères peuvent s'entendre. En de broeders onder elkaar ook overeen kunnen komen, toch? Mais non. Maar nee. Vous voyez que, dus jullie zien dat. Ce qui est idéal, wat ideaal is. Et ce qui est réel. En wat de reëel is. Différent. Dat zijn altijd twee verschillende dingen. Comme ça dans le couple. Zo is het ook in een koppel. Est-ce que vous voyez? Zien we. Pourquoi? En waarom is dat? En fait. In feite. Dans le couple. In een koppel. Les gens se chamaillent. Mensen maken ruzie. Parce que chacun. Want ieder. Croit avoir raison. Oui. Denkt gelijk te hebben. C'est ce qui fait que les gens se chamaillent. Dat zorgt ervoor dat mensen ruzie maken. Donc, dus, si tu veux, als je, qu'il n'y ait pas, wilt, de chamaillerie, geen ruzie is, c'est simple. C'est simple. Comme bonjour papa. Het is hallo papa. Bonjour maman. Hallo mama. C'est simple. C'est simple. C'est, het is gewoon, de laisser om la raison de gelijk aan de ander te geven. Amen. C'est fini. Il y aura plus clair. Il y aura plus de dispute. Er zal geen discussie. C'est fini. Dat is het. Oui. Parce que quand tu viens. Want wanneer je komt. Oh, toi, tu as fait ceci, ceci. Je hebt dit en dat. Pardon, mon pardon, bro. Je ne vais pas. Ik ga niet meer. Bon, tu vas continuer. En je gaat verder. Ga je verder? J'accepte. Ik heb geaccepteerd. Et j'ai demandé pardon. En ik heb een vergeving gevraagd. Si tu continues. Als je verder gaat. Ça sont des mauvais esprits. Dat is een slechte geest. C'est ça. Dat is het toch? Donc. Dus. Mais. Maar wanneer? Tu crois avoir raison. Je denkt gelijk. L'autre aussi. En de ander croit avoir raison. Denkt gelijk. Personne ne va lâcher. Niemand gaat het loslaten. Est-ce que vous voyez? Zien we. Personne ne va lâcher. Niemand zal het loslaten. Parce que chacun. Want ieder croit avoir raison. Denkt gelijk te hebben. Vous irez. En jullie zullen. Comme les Congolais disent. Zullen gaan zoals de Congolais disent. Tot op het einde gaan. Est-ce que vous voyez? Zien we. Vous irez. Chacun est raison. Quand vous voulez qu'on donne à qui tort. Est-ce que vous voyez? Donc, dus, si vous êtes comme ça, et que moi, votre pasteur, je vous exhorte ik ga jullie aanspoor, que l'un de vous puisse donner raison à l'autre. Gelijk zal geen ander. Vous ne voulez pas entendre. Jullie willen niet luisteren. Bon, déjà là, je comprends que non, begrijp, si non. Vous ne respectez pas la parole de Dieu je sur un point, op één punt respecteren. Vous pouvez aller à un autre point. Naar andere punten, toch? N'est-ce pas? Niet waar? Okay. Ok. Si on voit als we zien, il y a risque dat er risico que quelqu'un meurt, dat iemand sterft, on vous conseillerait de vous séparer. Dan gaan we jullie adviseren om te scheiden. Vous pouvez vous séparer. En je kunt het scheiden. C'est aussi biblique. Dat is ook Bijbels. Maar, à condition, er zijn voorwaarden. De ne pas vous marier. Dat jullie niet meer hertrouwen. Ah.
Zien jullie? Maar ik heb pas hier. Maar ik heb zo liever. Hij is vrij. Hij reprofit vite. En dan gaan we naar terug. Il a des enfants. Ah, c'est vrai. Vous voulez quoi? Wat wil je? Qu'il commence à pouvoir têter l'enfant qui a 6 mois. Dat de borst geeft aan de moeder. Een andere moeder zou kunnen staan. Vous vous occupez d'elle. Pour être kind, ça. C'est pratique, non? C'est pas une practice. Est-ce que vous voyez? C'est pratique. C'est pratique. Est-ce que vous voyez? Zim. Donc, dus. Vous allez comprendre que les même dans le couple chrétien, Dieu a prévu une séparation à l'amiable. Vous vous séparez pour ne pas vous faire du mal. Chacun en son coin. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, que le sol ne circule pas à grande vitesse. C'est ça le problème. D'autres ont le problème. Bon, moi, moi, sur le plan pratique, hein, c'est pas un péché. Is het geen zonde. Mais cet acte die va démontrer que, zal laten zien dat, en fait, dat vous êtes obligé de vous réconcilier. Dat jullie uiteindelijk elkaar moeten verzoenen. Si vous ne voulez pas pécher, als jullie niet willen zondigen. Hein? Chacun son coin. Il est les uns comme quand. Tu sens que les sangs tournent. Et il faut que tu te doutes. Tu brûles. Il brûle. Tu brûles. La Bible l'a dit. Si un frère brûle, il se marie, non? Vous êtes séparés. Mais tu commences à brûler. Ça circule. À grande vitesse. Tu pars te laver. Tu mets l'eau. Quand tu sors, la vanille n'a pas de goût. Il prend ce. Appelle-la. Belle-la. Maman. Pardonne-moi. Vergeef-moi. Le sens est. À grande vitesse. Est-ce que tu ouvres ce live? Ah, boy. Mais c'est vrai. 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 Non, non. Je refuse. Je refuse. Ok. Mais nous savons que il n'y a pas que les hommes où le sang circule. Hein. C'est vrai que nous nous chauffons rapidement. Mais les femmes aussi s'échauffent. Quand elle va s'échauffer, elle va faire quoi? Parce qu'il ne faut pas, il faut pas avoir un autre homme. Si vous voulez rester dans la parole. Donc si quand le sang va circuler, qu'est-ce que tu feras? Tu vois? Donc, c'est pourquoi je dis, quand vous vous séparez, évitez d'abord de vous insulter. Voilà. Évitez. Voilà. Parce que hein, vous savez, vous pouvez vous séparer comme ça. Je comprends. J'ai fait des efforts. Mais je ne sais pas changer maintenant. Elle-même sent que l'homme, nous nous sommes séparés sans. Zonder qu'il y ait de l'animosité. Zonder dat er vijandigheid is. Quand tu vas appeler là-bas. En wanneer je zo bellen. Si vous avez causé, non? Jullie hebben toch gesproken? Calmement. Op een kalme manier, toch? Maintenant, si. Maar nu als. Le sang circule ici. Als het bloed weer terug. Le circule là-bas. Het vloeit en daar ook. Dat is raar. Vous vous communiez. En jullie gaan er terug. Après, vous dites. Est-ce qu'on peut encore. En hij vragen. Kunnen we ensemble? Kunnen we terug samen? C'est pas encore le moment. Het is nog niet het moment. Vas-y, vas-y. C'est pas encore le moment. J'ai fait quand même beaucoup d'efforts. J'ai fait quand même. Marie, c'est tout. Là, vous restez dans la parole. C'est vrai que l'observateur va vous dire pourquoi faire ça? Réconcilier. Est-ce que vous voyez? Mais du moins, la possibilité de m'empêcher. Mais c'est compliqué. Pourquoi? Waarom? Quand les gens se séparent, want wanneer mensen zich scheiden, commence à insulter quelqu'un. Depuis les hommes, les pompiers, on se gêne. Tot aan zijn hoofd. Tu crois que ça va le faire revenir? Dat is al teruggekomen. Est-ce que vous zien we. C'est ça. Hé, wat ben je? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu vois? Wat heb ik je gedaan zodat je me zo uitschaalt? Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc, dus,
Voilà pourquoi. Dus daarom. Vous allez voir. Jullie gaan zien. L'attitude d'Abraham. Dat de attitude van Abraham. La Bible dit. De Bijbel zegt. Que. Dat. Les bergers. Dat de herbergers. Commencent à se chamailler. Ze begonnen ruzie te maken. À se quereller. Ze begonnen discussie. Mais Abraham vient. Abraham. Vous voyez une bonne séparation. Dat is een goede scheiding. Hij zegt. Je trouve que. Ik vind dat. Si nous restons ensemble. Nous restons ensemble. Ça ne va pas marcher. Dan zal het niet goed vooruit. Choisis ou partis. Kies waar je naartoe. L'autre est parti. L'autre is gegaan. Ils se sont séparés. Ze hebben zich gescheiden. Mais quand l'autre a eu des problèmes. Wanneer l'autre problème. Qui a intervenu? Die heeft dus Abraham. Het was Abraham. Bon, nous nous disons enfants de Dieu. En quoi sommes-nous enfants de Dieu? Wij noemen ons kinderen van God. Maar in wat zijn wij kinderen? Restez ensemble. Vous ne pouvez pas. Réconciliez-vous. Vous ne pouvez pas. Séparez-vous conformément. Vous ne pouvez pas. Donc vous n'êtes pas enfant de Dieu. Donc toutes les solutions qu'on vous a proposées sont difficiles pour vous. Donc vous êtes décharné. Je suis décharné. Donc vous allez comprendre que. Il est le deuxième. Dieu. God. A fait son œuvre. Hij heeft zijn werk gedaan. Et il nous a invité dans son œuvre. En hij heeft ons uitgenodigd in zijn werk. Est-ce que vous voyez? Zie. Et la Bible dit. De Bijbel zegt. Celui qui se relâche. Degene die zich zwak opstelt. Est frère. Is broeder. De celui qui détruit. Van degene die vernieuwt. Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vervloekt is degene die het werk van God doet. Zonder, ja, die dat hem verwaarloosd hebben eigenlijk. Les gens, de mensen préfèrent servir les autres. Willen liever mensen dienen. Quand le pasteur tourne, wanneer de pastoor ja, zijn stem verheft, là tu as peur. Dan ben je bang. Là tu obéis. Dan gehoorzaam. Tu as obéi à qui? Wie gehoorzaam je dan? Tu as cru que tu as obéi à Dieu? Jij dacht God te gehoorzamen, toch? Tu n'as pas obéi à Dieu? Je hebt God niet gehoorzaamd. Je hebt de mens gehoorzaamd. N'est-ce pas? Je ziet me. Si on avait mis als we nu les lois, de wet hadden gezet, les chantres, de zangers, vous venez en retard, jullie komen de 15 minutes, van 15 minuten, ne touchez même plus à un instrument. Jullie mogen niks aanraken. Là, vous allez voir les gens venir. Dan ga je mensen op tijd zien. Est-ce que vous avez peur de l'homme ou de Dieu? Zijn jullie bang voor de persoon of voor God? Vous allez décrire l'œuvre de Dieu comme ça. Ik ga het werk moi, je suis avec vous. Ik ben met jullie. Je vous accompagne. Ik ga la destruction de l'œuvre. In de vernietiging van het werk. C'est vous qui êtes détruits. Want jullie vernietigen het, toch? Vous voulez que je dise quoi? Wat willen jullie dat ik zeg dan? Que je dise quoi? Vous savez? Weet je? Profondément. C'est dû à mon éducation. C'est door mijn opvoeding. Hè? Si j'étais éduqué comme un militaire. Als ik als een militair was. J'allais vous mettre des lois comme des militaires. Dat zou mijn opvoeding zijn, toch? Tu n'as pas répété, tu ne vas pas chanter. Je hebt niet geoefend, je mag niet zingen. N'est-ce pas? Niet waar? Mais c'est bien. Dus goed toch? Les gens mensen se donnent de la discipline. Geven ze aan elkaar discipline. Mais ils craignent qui? Wie vrezen ze? Ils craignent qui? Wie vrezen ze? Un enfant de Dieu. Een kind van God. Ne craint pas les hommes. Vreest geen mensen eigenlijk. Nous ne craignons que Dieu. Wij vrezen alleen God. Voilà pourquoi Pierre m'a dit. Daarom zal Peter. Jugez en vous-même. Jullie moeten er zelf van oordelen. Entre vous. Tussen jullie. Et Dieu, en God, à qui nous pouvons obéir. Wie kunnen wij gehoorzamen? Zou obéir à Dieu. Je gaat God gehoorzamen, toch? Donc maintenant pour obéir à Dieu. Waarom God te gehoorzamen? Il faut qu'on vous mette des lois. Dan moet je die wet de ceci, de cela. Dat. Moi je crois que. Ik geloof dat. L'écriture est claire. De vers is duidelijk. Hè? Tu commences l'œuvre, tu relâches, tu es en train de détruire l'œuvre. Je bent zwak het werk van God aan het doen, je bent het werk aan het vernietigen eigenlijk. Et nous nous prions. En wij bidden. Gloire à Dieu. Glorie zij te God. We voient notre jeune frère. We zien onze jonge broeder. Touche à tous les instruments. Hij raakt alle instrumenten. Touche à la guitare. Hij raakt de touche. Et ma prière est grandis vite. Si l'école de musique est payable, je vais payer son école. Exactement, sa musique sera betaald.
Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Waarom? Parce que wat? Nous, wij, on néglige. L'œuvre. Wij zijn het woord een beetje aan het verwaarlozen. Si le pasteur, als de pastoor altijd visage fermé, met gesloten gezicht, wanneer iemand te laat komt. Moi, je suis pas comme ça. Zo ben ik niet, hè? J'ai mes problèmes à moi. Pourquoi je vais Tes problèmes, je les prends comme ça, je regarde. Après, je dis, l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu, prends ton le problème, prends-le. J'ai mon frère. Est-ce que vous voyez? Je me rappelle, une sœur a suivi nos frères de l'Afrique. En ze vond onze broeders van Afrika. Après, il m'a appelé. En dan heeft ze mij appelé. Pasteur, pourquoi tu ne nous dis pas tout ça? Waarom zeg je al die dingen? Je ne vous dis pas quoi. Wat zeg ik jullie? Maar si ces frères viennent ici, als die broeders hier komen, ils vont nous traiter de païens. Ze gaan ons als ketters bewandelen. En ik zeg, je le dis. Ik zeg het je. Mais je le dis. Maar ik zeg het. De manière. Op een manier. Pas brutal. Niet brutaal, fâché. Of ik ben niet woedend. C'est pas bon. Het is net als. Désormais. Desondanks. Celui qui n'a pas de foulard. Degene die geen hoofddoek heeft. Je vais les chasser de l'église. Zal ik verjaan van de kerk. C'est mon église. De mijn kerk. Tous ceux qui ont des barres. Zij die baarden hebben. Je vais les chasser de l'église. Zal ik verjaan van de kerk. Jésus n'a même pas chassé les pécheurs. Jésus a quitté ce sondage frère. Toi, incapable de convertir les gens, comment ça les chasse? Om mensen te bekeren, je wilt ze verjagen. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc, dus, les gens mensen, aiment ça. Ze houden daarvan. Ils aiment ze houden qu'on puisse ervan om dominer sur eux. Om over anderen te domineren. Voilà pourquoi Israël. Quand Dieu régnait en Israël. Israël Israël regeerde. Niks is meer. Wat er is, was er al. Dieu régnait en Israël. God regeerde Israël. Israël, où est Dieu? Dieu, nous voulons wij willen un roi. Een koning. Comme dans les nations. Net als in die andere landen. Sur nous. Over ons eigenlijk. Vous savez, beetje. Le pasteur, de pasteur, Christian, de Bruxelles, en Brussel, il me disait, pasteur, votre écriture, je crois que c'est toujours dans Proverbe ici, on pourra in een spreuknis, des sauterelles, die vers van de spreek gaan, hein? Qui sautent, die springen, par division. Door met schijn. Ça nous a fait souffrir. Het heeft ons laten lijden. Moi, je le pourquoi? En ik zei waarom? Hij zei oui. Hij zei ja. Parce que. Want. La Bible dit. De Bijbel zegt. Ils n'ont pas de chef. Ze hebben geen baas. Hè? Maar. Lorsque. Wanneer. Ils se déplacent. Wanneer ze zich verplaatsen. C'est en groupe. Het is een groep. Or les hommes, en mensen, quand les hommes n'ont pas de chef, chacun fait ce qu'il veut. Ieder doet wat hij wil. Est-ce que vous voyez? L'erreur c'est quoi? Wat is de fout die we maken? Nous avons un chef. Wij hebben een baas. Le chef, die baas, c'est pas moi. Dat ben ik niet. Hè? Mais c'est la parole. Maar dat is het woord. C'est Jésus qui est le chef. Jezus die de baas is. Mais comme waarom dat? Jésus, tu le vois pas. Want Jezus, omdat je dat Jezus niet. Tu veux voir Jésus en moi. Je moet Jezus in mij zien. Amen. Amen. Mais Jésus en moi. Maar Jezus in mij. En tout cas, il y a une seule fois. Er is maar één keer. Où il était en colère. Waar hij boos was. Hè? C'est quand il a vu les gens. Dat is wanneer hij mensen zag. Trafiquer dans le temple. Zag eigenlijk vals spelen in de tempel. Là, il les a chassés. Dan heeft hij ze verjaagd. Il les a frappés. Hij heeft hem geslagen. Il a renversé. Hij heeft het omver geworpen eigenlijk. Le reste du temps, de andere tijd, il voyait les péchés. Hij zag mensen zonder. Mais il leur parlait. Maar hij sprak tegen hen. Calmement. Op een kalme manier. Regardez la femme adultère. Kijk naar de overspelige vrouw. On l'attrape. Ze werd betrapt.
Quelqu'un m'a dit. Iemand zei tegen hem. On l'a pas condamné par un vice de procédure. La procédure n'était pas bonne. De procédure was niet goed. Parce que want, la loi disait. Want de wet zei. Il faut attraper l'homme et la femme. Je moet de man en de vrouw betrappen. Oui, la loi, il faut attraper. Je moet betrappen. L'homme et la femme. Mais si l'homme fuit. Maar als de man vlucht. Vous allez faire quoi? Wat gaan jullie doen? Vous allez l'attraper? Gaan jullie hem vangen dan? Lui, il a fui. Hij is ontvlucht. Comme la Bible n'a rien. De Bijbel niks gezegd heeft. Les gens veulent faire croire. Mensen willen laten zeggen. Les hommes. Dat de mensen. Ont attrapé seulement la femme. Het alleen de vrouw. Ont laissé l'homme. En ze hebben de man gelaten. L'homme peut avoir. De man kan gevlucht zijn. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Maar wat zegt de Heer nu? Va, ga, et péché. En zondag niet meer. Est-ce que vous voyez? Zien we. Au lieu, mais ja, ne pas pécher. Maar niet zondag dan. Reviens. Kom terug. À mourir. Tot sterven eigenlijk. Parce que celui qui ne pêche plus. Want degene die niet meer zondigt. C'est qu'il a fait mourir sa chair. Wil zeggen dat hij zijn vlees lichaam heeft laten doden. Zien we. Le Seigneur dit la même chose avec la loi. La loi semble être dure. De wet lijkt hard te zijn. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we. Mais le Seigneur maar de Heer semble être tendre. Lijkt zacht. Dit la même chose. Maar hij zegt hetzelfde. Va, ga, ne pêche plus. En zondig niet meer. Il n'a même pas dit. Hij heeft niet gezegd. Ne commet plus l'adultère. Ne pêche plus. Donc, hij heeft gewoon gezegd. Het zondig niet meer. Même insulté. Zelfs uitgaan. Même volé. Ne le fait plus. Voyez. Doe het niet meer, zien we. Donc c'est plus dur. Dat is nog moeilijker, hè? Que la loi. Dan de wet eigenlijk. La Bible dit. De Bijbel zegt. La fourmi. Dat de mier n'a pas de chef. Heeft geen baas, hè? De mier heeft geen baas. N'a pas d'inspecteur. Heeft geen inspecteur. Mais la fourmi sait. Maar de baas. Fait ce qu'il faut. Doet wat het moet doen. Donc si tu as le Saint-Esprit. Dus als jij de Heilige. C'est ce que l'Écriture dit. Dat is wat de vers. Personne ne va enseigner son concitoyen. Gaat zijn mede-inwoner eigenlijk onderwijzen. Chacun ieder fera zal doen ce que Dieu wat God a recommandé. Voor hem heeft opgesteld eigenlijk. C'est ce que vous zien. Si je ne le prêche pas. En als ik dat niet predik. Là je serai fautif. Dan zal ik in de fout zijn. C'est ce que vous zien. Et si je ne le dis pas, en als ik het niet zeg, je serai aussi fautif. Dan zal ik ook in de fout zijn. Venir à temps. Op tijd komen. Faut le comprendre. Je moet het begrijpen. Un sportif. Een sporter. Un joueur. Een voetballer. Est-ce que vous savez un sporter. Qu'avant d'entrer, dat voordat je binnenkomt, n'est-ce pas? Niet waar? Dans le terrain de football. Op het voetbalterrein. Est-ce que vous savez ce que les sportifs font? Weet jullie wat ze doen? Ils se chauffent. Ze gaan zich opwarmen. Si tu ne te chauffes pas, als jij niet opwarmt, tu ne peux pas entrer en jeu. Dan kun je niet gaan spelen. Bon, maintenant. Maar nu. Toi, tu te chauffes quand? Wanneer ga jij je opwarmen? Tu viens directement. Je komt direct. Tu entres. Je gaat op. Tu vas mourir comme Bogota. Je ne t'es pas entré. Bon. Si tu ne veux pas venir à temps, als jij niet op tijd wilt, vous voulez que je crie, vous voulez que je commence à pleurer, moet ik gaan huilen, ou à devenir colérique, of boos worden. Moi, je reste comme moi. Ik blijf mezelf. Je comprends. Ik begrijp je. Ik doe het. En l'œuvre de Dieu, het werk van God, se fera. Zal uitgevoerd worden. Est-ce que vous voyez? Zien we. Mais quelle est ta contribution? Maar wat is jouw bijdrage? Donc, tu vas détruire. Dus je zult vernielen. Au lieu de dire, tu es l'ami de celui qui on dit le frère. Je bent de broeder. Dat zeg ik niet détruit. Dus wat zeg ik? Je veux voir. De Bijbel spreekt. Parce que l'ami, on te vriend. On va dire, on t'a influencé. Non, tu es frère. Je bent broeder. Donc même idéologie. Exemple idéologie alors.
Voilà pourquoi. En het is daarom. Même dans les affaires. Zelfs wanneer je zaken gaat voeren. Si tu relâches. Als je je op zak opstelt. Est-ce que vous voyez? Zie maar. Donc il faut la persévérance. Dus je moet doorzettingsvermogen hebben. Ceux qui ne persévèrent pas. Zij die niet doorzetten. Échouent. Ze falen. Est-ce que vous voyez? Zie maar. Parce que l'échec. Want falen. C'est un apprentissage. Is eigenlijk leren. Vous savez, pour faire l'avion. Weet je om een vliegtuig te maken? Hè? Il y a eu des gens qui sont morts. Mensen zijn gestorven. Hè? C'était nous les Africains, on allait abandonner. Tu veux. Hé! Hey, ça va être quelqu'un mort. Hein? Ouais. Mais parce qu'ils ont dit. Omdat ze het hebben doorgezet. Aujourd'hui nous voyageons. Vandaag hebben wij reizen. Quand on voyage en avion là. Wanneer we reizen in de vliegtuig. Là on prend des photos. Dan nemen we foto's. S'il y avait le wifi en avion. Seigneur Jésus. Als het gratis. Mais c'est payant. Dat is betaald. Il y a des avions où il y a wifi. Ja, il y a un vliegtuig waar wifi is. Tu peux payer 50 euros. Je gaat 50 euro. Tu as wifi. Je hebt wifi. En avion. Op de vliegtuig. Là. En dan. Live. Live. Nous sommes en train de traverser. Là, tu coupes directement. Il y a une zone de turbulence. Là, tu commences à prier. Jésus. J'ai encore besoin de te servir. Tu me sers avec des retards. C'est ça que tu as prié. Quand tu fais au besoin de Jésus, regarde. Jésus, vraiment. Tu viens à l'église. Quand tu veux. On doit te supplier. On doit te supplier. Pour ta propre nourriture. Pour ta propre nourriture. Si ton enfant de 12 ans. De 12 ans. Tu lui mets la nourriture là. Ils étaient tous au table. Maman, viens, tu viens là. Hey, come back. Maman, fais-moi manger. Tu vas la gifler. Je rate de kind staan, toi. Je veux pas. Toi, tu vas la gifler. Jij bent dat kind staan. Maintenant, pour ta propre nourriture. Voor jouw eigen voedsel. Spirituele voedsel. Tu veux que moi je commence. Je wil dat ik niet begin. Nee, ouvre la bouche. Doe mijn koppen. Ik heb een vliegtuig. Bon, moi je suis comme ça. Et que ça, quand la Bible, on est le bain, je ne vais pas commencer à calculer une prédication par rapport à nous. On se promet dans cette forêt. Ja, in dit bos. On est arrivé. We zijn aangekomen. Amen. Je vois, mais vous voulez quoi? Wat wil je? Vous voulez que je devienne nerveux? Dat ik wil je dat nerveus wordt. C'est pas parce que. Het is niet omdat. C'est l'œuvre de Dieu. Het is het werk van. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner? Wat heb ik daar aan? Ik heb niks te winnen eigenlijk. Que tu viennes. Of je komt. En retard. Dat je te laat komt of niet. Là où j'ai gagné, c'est sur les op. Les mabonzaï, les dîmes. Je prêchais beaucoup. De hommes of de dîmes, dan ga ik veel. Parce que là, j'ai gagné. Daar heb ik te winnen. Je ne veux pas. Mais de ton état. Maar je n'as rien à gagner. Ik heb daar niks te winnen. Je n'as rien à gagner. Ik heb daar niks te winnen. Que tu viennes en retard. Je ne gagne rien. Ik win niks. Je ne perds rien. Ik verlies niks. Surtout que quand ce sont les frères qui sont dérangés. Ce sont les brothers qui sont dérangés. Ils ne seront pas bien chantés. Ils ne vont pas bien chanter. On va répondre. Toi, tu regardes. Ils te suivent là-bas. Je prends la route, tu vas aller de l'autre côté. Ils se perdent. Ils veulent se dwalen. Mais Dieu, au ciel, il ne se préoccupe pas des autres. Contre-temps. Ça, il ne se préoccupe pas de ça. Daar maakt hij zich geen zorgen over. Mais
Si je dois m'améliorer pour chanter, c'est pour permettre que nous tous nous puissions communier avec Dieu. Faisons un effort. Laten we moeten doen. On est en Europe. We zijn in Europa. On a plusieurs occupations. Meerdere bezigheden. Que ces occupations dat die bezigheden ne puissent pas niet nous rendre ons niet négligent. Nalatig maken. Tu travailles, je travaille. Je werkt, ik werk. Maar j'essaie de répondre ik probeer à mes obligations mijn, le plus possible. Dus ik probeer aan mijn noodzakelijkheden zo goed mogelijk te beantwoorden eigenlijk. Si als, tu t'absentes parce que als je aanwezig bent omdat, tu es obligé. Omdat het moet, ah, c'est autre chose. Dat is iets anders. Mais tu t'absentes, maar je bent réveillé comme ça. Je bent je ne me sens pas bien. Ah, il faut que je ne veux pas aller. Ah, je veux que ça. Seigneur Jésus, il est. Combien de fois nous nous sommes levés le matin, on n'a pas envie d'aller travailler. Mais quand tu penses seulement que l'absence non justifiée, c'est un problème. Een ongewettigde afwezigheid is een probleem. Même en hiver, zelfs in de winter, même si à la neige, ook al is er sneeuw, on sort, we gaan naar buiten. En dan zelfs, quand tu as sommeil, wanneer je slaapt, lève-toi, word wakker, va au travail, ga werken. Tu peux travailler en système semi-éveillé, pijn dat je half wakker bent, pour continuer à, zodat je, à récupérer ton sommeil, dat je slaap kunt bijhalen. Tu es là, je bent daar. Tu comme si quand het is alsof je werkt. Ça va t'aider. Het gaat je helpen. Ça aide aussi. Het helpt ook. Et quand tu vas te réveiller, en wanneer dan wakker tu sentiras que maintenant je dan zul je voelen, oké, nu ben ik wakker. Est-ce que vous zie. Donc fais un effort. Laten we moeite doen. Ah, si tu relâches, want als je de zak opstaat, je vernielt. La Bible dit, the Bible says, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. De naam van de Heere is een sterke toren, een rechtvaardige sneltuigen, en wordt in een veilige vesting gezet. Vous allez voir que les gens, jullie zullen zien dat mensen, croient que le nom de l'Éternel, denken dat de naam van de Heere, c'est comme Yahweh, dat is net zoals Yahweh, hein? Jésus, Jezus, une souris qui passe vite. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouais. La porte qui. La deur die ze ineens vanzelf opent. Quoi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a une huile qu'on vend. Va mettre dans la porte là. Zet op de je scharnier. Tu peux ouvrir comme ça, ça ne fait plus de bruit. Pas geen geluid. C'est dans l'action. C'est pas cher. C'est plus comme ça. Let's go. Il y a un truc craque. Et c'est ce qu'ils sont là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus qui a envoyé. C'est pas ça. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est la superstition. C'est la superstition. Apocalypse dit qu'il avait un nom. Ce nom-là, c'est la parole. Maintenant, die naam is het woord. Si tu es dans la parole, in het woord, tout fort. Dat is een sterke toren. Tu es en sécurité. Je bent beveiligd dan eigenlijk. Dieu te défendra. God zal je beschermen. Parce que Dieu défend la parole. Want God beschermt zijn woord. Voilà pourquoi fais tout ce qui est réellement conforme à la parole. Dieu va te justifier. Même si les hommes te condamnent. Mais Dieu te justifiera. La tour forte là, c'est la parole. C'est lui qui vit la parole de Dieu et protégé. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu n'es pas protégé. Tu vas crier Jésus. Tu t'es riche, oh Jésus. Oh,
C'est pourquoi j'aime mes frères angolais. Daarom hou ik van mijn Angolese broeders. Les Congolais avaient peur d'avoir le nom de Jésus. Les Angolais. De Angolese hebben Angolese. Ils les distribuent comme les cacahuètes. En geven als peper. Là-bas le nom de Jésus. Ainsi. Makkelijk. Quelqu'un qui a le nom de Jésus, il sait même pas. Jésus a appelé comme lui. Un bandit. Jésus. Est-ce que vous voyez? Le nom, ce ne sont pas les lettres. Si c'était des lettres, on devrait prononcer le nom de Jésus en hébreu. Dan moesten we de naam van Jezus in het Hebreeuws uitspreken eigenlijk. N'est-ce pas qu'à l'aéroport ici, want hier bij de, que ton nom change une seule lettre. Als jouw naam met één letter verandert, tu viens. Je komt, si par miracle, tu es allé au Congo, je vais dans Congo. Je reviens comme ça, je, Dieu change une lettre sur ton identité. Ce jour-là, tu vas voir que les blancs sont méchants. Tu vas pouvoir dire, mais ma carte de banque est là, moi c'est ici. Là, il regarde. Ah, tu as payé tous les mois. Quand tu fais comme ça, tu crois qu'il te suit. Il est légal. C'est depuis quelle année qu'on te paye? Ça fait 20 ans que je suis ici. Ok. Mais ici, c'est Mukenga. Là-bas, c'est Mukenga. C'est pas la même chose. Mais c'est moi, la photo. C'est mon Kenga. Nous avons mon Kenga. On fait des mon Kenga. Toi tu es mon Kenga. Avec ta peau noire. Si c'était encore un blanc, c'était un blanc. Il les allait se dire. Erreur. Mais un doigt. Celui-ci a pris l'identité de quelqu'un. Il m'a donné l'identité de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Zero. Mais Jésus. Mais Jésus. En hébreu, il ne s'appelle pas Jésus. En hébreu, c'est Jésus. Hein? Là, quelqu'un va dire, mais non, c'est comme ça. Oui, c'est normal. Ouais, c'est normal. Parce qu'Esther. Esther. Ne s'appelait pas Esther. C'est Esther. En hébreu, c'est Adassa. En hébreu, c'est Adassa. Oui. Mais. Mar. On lui a donné le nom d'Esther. Mais va le nom de Esther écrire. Joseph. Joseph. Il ne s'appelait pas Joseph. Joseph. En Égypte. En Égypte. Ils l'ont connu avec un autre nom. Et c'est ce nom-là qui les a nourris. Est-ce que vous voyez? Donc, le nom prononcé par les hommes, c'est la parole. Jésus est la parole faite de Jésus. Voilà pourquoi quand tu invoques Jésus, tu dois invoquer le Jésus qui est conforme à la parole. Paul dit, si quelqu'un prêche un autre Jésus, un autre Jésus qui va te dire, voyez, aujourd'hui, égalité entre l'homme et la femme, la femme peut devenir pasteur. Donc c'est Jésus a changé. La femme est devenue pasteur. Et l'écriture dit, si tu veux diriger la chose de Dieu, commence à diriger. Maintenant, chez toi, qui est chef? Bon, en fait, en réalité, la vérité est que cette femme est chef aussi à la maison. C'est ça la vérité. Une femme qui a la connaissance plus qu'un homme, quel est mérite ton amant? Si tu es cet homme-là, il faut pleurer. Même si elle ne dit rien. On ne sait pas ce que c'est. Mais dans son cœur. Marina Rod. Parce que. Surtout quand tu vas encore pécher. Roger, je vais te zonder. J'ai un païen. Ah, que ma tête. J'ai un païen. Ah, que ma tête. C'est normal. C'est normal. C'est pourquoi, normalement, le frère, tu dois être en connaissance plus que la femme. Voilà pourquoi l'écriture dit, si elle a des questions qu'elle pose à son mari, c'est supposé que le mari doit avoir une plus grande connaissance. Si ta femme
Bon, l'écriture là, on l'a mal compris. Elle ne comprend pas les choses de Dieu. C'est pour ça. C'est comme ton chef. Het is net als jouw baas. Tu le trouves bourrique. Je vind het dom. Tu vas le respecter. Ga je me respecteren. Nee. Même au travail. Dat is het werk. Le chef. De baas. Quand il parle comme ça. Wanneer hij zo praat. Comment il est devenu chef? Hoe is hij baas geworden zelfs? Il a coopéré. Parce que. Want. Il ne prouve pas le niveau d'intelligence. Niveau van intelligentie niet zien eigenlijk. Dat zou moeten hebben. Est-ce que vous voyez? Zien we. Donc la femme, cette vrouw, peut être capable, kan in staat zijn, de pouvoir, om expliquer, om dingen, dingen uit te leggen. Mais simplement, maar het is simpelweg gewoon. Ce n'est pas donné, het is niet gegeven, à la femme, aan de vrouw, de pouvoir le faire, om het te doen. C'est comme encore, het is net als, on voit, we zien, un enfant de 9 ans, een kind van 9 jaar, frère alléluia, broeder alléluia, frère alléluia. Il avait un paar versen gegeven die hij in zijn hoofd heeft. Ta femme te dit, lui comme il est là, hein? Il croit que ta femme te dit, va mettre tes genoux là, les mains à l'air. C'est ce qu'il va croire. Mais moi quand on me dit, ma femme me punit, je comprends. Il peut faire quoi? Te punit? Donc ces derniers temps, elle dort avec des jeans. Est-ce que vous voyez? La parole, het woord, c'est notre tour fort. C'est onze sterke toren. Vivons la parole, laat het woord leven. Et Dieu va nous protéger. God zal ons beschermen. Dieu vous bénisse. God zal ons beschermen. Dans le nom puissant, gezegend et glorieux de notre Seigneur Jésus.